Et salut à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau let's play. Comme vous le voyez, ce sera Minecraft Story Mode. Donc je pense que vous l'avez très certainement déjà vu quelque part, chez Fanta, chez Hypierre, chez je sais pas qui, chez Lia, chez... Donc voilà, en fait j'hésitais à acheter ce jeu là dès la sortie. J'hésitais. Et puis voilà, j'ai craqué. J'ai craqué, donc je précise que jouer, on va prendre... Ouais bah toi en fait, toi c'est celui qui me ressemble le plus. Parce que t'es blanc. Je suis pas raciste mais je suis blanc donc du coup... Donc normalement j'avais déjà réglé le son parce que j'avais lancé le premier chapitre mais j'avais rien fait, j'avais même pas fait quasiment pas de choix. Donc le son devrait être bon, je vais quand même vérifier pour être sûr. Alors, je précise que l'IA fait let's play dessus aussi. Donc du coup, je vous recommande vivement d'aller sur sa chaîne YouTube. Je mettrai le lien dans la description de sa chaîne YouTube. Et du coup, bah, je vous recommande vivement d'aller le voir. Faut savoir que... Que l'histoire, en fonction de nos choix, change. Donc du coup... l'histoire de l'IA et mon histoire ne seront pas forcément la même si on ne fait pas les mêmes choix. Je laisse la VO, sinon c'est bien plus propre. Four heroes such as these. Gabriel, the warrior, before whose sword all combatants would tremble. Elagard, the redstone engineer, whose machines would spark an era of invention. Magnus the Rogue, who would channel his destructive creativity for the benefit of all. And Sorin, the architect, builder of worlds, and leader of the Order. Non, c'est Roi Louis. L'architecte, c'est Roi Louis. These four friends together would give so much to gain their rightful place. Et lui le combattant, ah non, lui le combattant c'est Hyper. Their greatest quest would take them on a dangerous journey to fight a mysterious creature known as the Ender Dragon. In the end, the Order of the Stone emerged victorious and the dragon was defeated. Their story complete, they slipped away into the pages of legend. Légende. Pam pam pam. Pardon, je peux tout casser là. Would you rather fight 100 chicken-sized zombies or 10 zombie-sized chickens? Just to be clear, you wouldn't have des poulets de la taille de zombies. I'd have to go with the giant chickens, not because I want to or because I think it would be easy, but because they would be an abomination. Imagine their giant feet. Like I said, an abomination. So, I've got a daylight sensor on the... Je rigole déjà, quoi. And if I did this right, these lamps should turn on once it gets dark. Bon, ne lâche pas leur réaction quand même. With nothing while we're at the building competition. He's coming with us. Really? What kind of question is that? Of course he okay, is. Okay, I'm not saying he shouldn't come. I'm not. But don't you think it's a bah little non. That you take him with you everywhere you go? He kind of makes us look like... Ruben, amateurs. Je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre. Non, on va mettre Ruben est mon meilleur ami. I thought I was your best friend. Both of you are. I didn't mean anything by it. I'm glad he's coming. Ruben, on va le considérer comme Marley. Marley qui est mon chien, je précise. On n'est pas des minables, t'es folle ou quoi? We lose all the time. It's what we do. Okay, that might be true. I can't remember the last time we won anything. But if that's the case, it means we win at being losers. All right, fine. C'est pas faux. You hear that? Oh no. Bon, j'ai déjà vu ce qui se passe. Oh man, you guys totally freaked out. Axel, what's the matter with you? Great. Now I'm gonna smell like a pig. C'est mérité, ta gueule. That's what you get, Axel.
I brought you good times and now I'm being punished for it. You scared us half to death. Nothing is fun if you're not scared half to death. Did you bring the fireworks? Of course I did. I even brought something for the little guy. Nice. You brought Reuben a disguise? We're going to a convention. Somebody's gotta wear a costume. He looks awesome. It only took me like a million hours to build it. Alright, alright. You definitely brought the fireworks, right? Yes, I'm ready. Waiting on you guys. If he was really your best friend, you wouldn't let him go outside dressed like that. The only thing more dangerous than putting a costume on a pig is trying to take it off. Hurry up and grab your stuff. We'll meet you downstairs, okay? Okay. Ok. J'ai le contrôle. Donc voilà, j'avais pas été plus loin moi dans le let's play, j'avais même pas été jusqu'à Flint. Pour marcher plus vite. Ah, on peut marcher plus vite. C'est génial ça. D'accord. Épée en bas. Regardez. Gabriel, the warrior. You think we'll ever get that non, c'est le... Bah oui, qu'on va devenir aussi ses bubs, même plus. Maybe I'll get famous for my sweet poster collection. On peut pas allumer le jukebox. Shears definitely taking these. Never know when I might need to shear some sheep. One of these days, we're gonna win the Endercon building competition. And when we do, people will look at us and say, hey, there goes Jesse and Reuben, winners of the Endercon building competition. Quoi, Reuben? They really should change the name. Il essaie de même pas s'amuser, il essaie de lui et son chien. Et son chien, moi, son cochon. I got this stand as a gift, but don't have any armor to put on it. Someday. Tac. Ruben. Give me a dragon roar, Ruben. J'ai oublié qu'il faisait ça. That'll do. Alors, est-ce qu'on a tout fouillé? Je pense que oui. Oui, on a tout fouillé. Hop. Allez, let's go. On y va. Petit Ruben. That's everything. Let's roll. Yeah, dude. Roll. Let's go. I heard a pretty juicy rumor about the building competition, but you guys have to promise not to say anything. Okay. Also, it's in two parts. Each part more exciting than the last. Spit it out, Axel. Part one, the special guest at this year's Entercon is none other than Gabriel the Warrior him freaking self. Whoa, what's part two? Part two, according to my sources, the winner of the building competition is going to get to meet him. It doesn't mean anything if we lose, but if we win, et alors, la belle affaire. This would make up for all the losing. Allez, on va mettre et alors et la belle affaire. Endercon will be fun either way. What? Hold on. Let me try that again. What? He's right, Jesse. Incredibly. This is a huge deal. So... does this source of yours make posters for a living? Huh? Yeah, my source doesn't exist. You guys are my only friends. Guys, let's stay focused. We have a competition to win. We never win. And this year we've got Ruben with us. We basically have no chance. Mais si. Cette fois on va gagner. What are you talking about? Because up to now, we've hated losing. But today, today, my friends, we're gonna start learning how to love winning. C'est clair, that ça. Didn't sound as good as it did in my head. No, I'm with that. All right. Wait a minute. We're thinking about this all wrong. The point of the building competition isn't just to build something. We have to do something. To ah, là je sais. Judges. On va avoir le choix entre Creeper, Zombie, Enderman et je sais plus quoi. Functional. We build something fun. Moi, je vais choisir un Enderman. J'ai envie de voir ce que ça rend un Enderman. J'ai déjà vu le Creeper. If we want to get a reaction out of the judges, you build something scary. So I say we build a Creeper. Wouldn't an Enderman be better? I'm more scared of Endermen than Creepers. They both have their moments. Both les Enderman, c'est cool. Again, you scared the crap out of us with a Creeper today. Let's build an Enderman. Olivia's thing? Are you whining? No, I was saying awesome.
Yeah. I think this is the first time we've decided on something before getting into competition. Think we've got everything we need? It wouldn't hurt to grab a little more. Let's get to grabbing then. We're so prepared. We can't lose. Cannot. Bring it in. Dare to prepare on three. No. Preparing is daring. No, that's the same thing. Forget it. Team on three. One, two, three. Team! Prepare. C'est stylé, j'aime bien. J'aime ça. Allez. Oh, donne des coups de poing aux fleurs, quoi. C'est comme ça que je vois le fleur. Ah, ça c'est moi il y a pas longtemps. Ça c'est moi pour ma fusée. Sauf comme le mouton est au rôle. Oh, tout ça pour casser une bûche quoi. On est bien là quand même. Bon après ça je dis ça je dis rien quoi. Youh. On a juste cassé une bûche quoi quand même hein, c'est fou. On a de quoi se faire une table de craft les gens. This year, it's going to be different. I'm not just ready to build. I'm ready to win. Oh. Nice pig, losers. Non, mais hey, un peu de respect, toi. Viens ici. Non, mais c'est irrespect, quoi. The rivalry continues. Man, they've got matching leather jackets and everything. On est les compoteurs. Je ne sais pas si vous l'entendez. J'espère que non. If it isn't the order of the losers. Great. The fail squad's here. Lucas. Get a load of these losers. Let's go, guys. Name, please? Axel. And how do you do? No, your team name. Team name? On n'a pas prévu ça. Donc je sais que l'IA a pris les finisseurs de l'Inde ou autre comme ça. On est les decks des tréfonds. Allez, les decks des tréfonds. Je sais que l'IA a pris We've never even been to the Nether. Who the Nether cares? Okay, Nether maniacs, you guys bring the five. Bon, allez, on est parti. On va construire un magnifique truc. Box numéro 2. On s'en fout de lire l'inscription. Hein. C'est juste l'inscription. Ouais. On s'en fout. Folle, on pourrait aller parler à la folle. D'abord, on va regarder le coffre. Nope. Et nope. Ok. Folle. Ça, c'est le box 4, on s'en fout. Box 5, c'est là mon box. Allez. C'est une balise. They have a freaking beacon. Freaking beacon. That's stained glass. They aren't just building a beacon. They're building a rainbow beacon. Une balise arc-en-ciel. Eh, mais genre les balises ça fonctionne pas avec un arc-en-ciel avec du verre. Our design is way cooler. A gigantic Enderman is. Quel bande de noobies. Construise un beacon avec du verre coloré. Faut que ça n'en aura pas. Il faut des blocs de fer d'or. Oh là 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 là. We should probably stop staring at them. Look, it's the order of the losers again. C'est manque de respect quoi. We're just looking. There'll be plenty of time for you all to look at it after it wins and gets shown. Tu gagneras pas. You're being unpleasant. Maybe not all of you. Endercon doesn't allow outside food or drink. Donc en gros ça c'est la Minecon. Il y a déjà comme ça la Minecon. Tu le laisses tranquille. I do what I want. Besides, je fais ce que je veux. Mais... On va pas bien s'entendre lui et moi. Stop wasting your time, Aiden. We've got work to do. You're lucky I'm busy. Hey Jesse. Guys. Hey Petra. How's the build going?
Only time will tell, but we're optimistic. Hey, Petra. I forgot to thank you for that nether star. Hey, Lucas. Not a problem. Une étoile des Tréfonds, quoi. For the right price, j'aurais pu laisser le nether, parce que... If you need anything, you know where to find me. None of us know where to find you. Exactly. No hard feelings, guys. If you're cool with Petra, you're cool with us. So why don't we just forget about all this and, you know, on va vous massacrer. How cool our builds are. We're going to crush you. I don't know if you know this, but we're pretty good. Oh, wait. I get it. It's like a joke, right? No, I'm on va vous massacrer vraiment. You know, you're really funny. That's awesome. Hey, good luck. Ladies and gentlemen, welcome to the EnderCon building competition. The winners of this year's competition will have their build featured at EnderCon. The winners will also meet in person Gabriel the Warrior. Ocelot! 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 Whoa, handshake? We don't have a handshake. We'll just make one up. Mais on n'est pas obligé de faire comme tout le monde déjà. Le salut des bâtisseurs, la main du guerrier, coup de la redstone. Parce que j'aime bien la redstone. Waouh, si c'était. And just like that, I'm nervous again. Don't talk like that. We can do this. Just stick to the plan and everything will be fine. This year. Je crois qu'en haut à gauche, il a été marqué personne celui à droite ça. Mais c'est pas ça facile de lire en dessous et de lire en haut à gauche en même temps, donc du coup j'ai pas vraiment bien lu en haut à gauche. Vous le verrez peut-être, vous, mais pas moi. Peut-être. Oh, merde. Oh non, un fireworks dispenser. I'm so scared. You worry about your build. Attends de voir la suite. Attends de voir la suite. Par contre, ça donne quoi l'Enderman? Oh, pas mal. Ouais, ça va. Ouais. C'est quoi ça, générateur de cobalt? Ouais, bon, on est le seul à avoir terminé. Hein. Active le levier. Wouh. This looks so cool. We'll win this for sure. I gotta admit, this Enderman is sweet. Good call, Jesse. Partout compte. Guys, people are looking at us. Good build, man. What? No way. It's just a bunch of dyed wool. Espèce de rageux. Whoops. Oh no, Ruben's on fire. Ruben, no, come oh. Back. It was Aiden. That pump. The lava's getting closer. It's gonna ruin the build. Ruben's going to get lost. We've got to rester ici pour protéger la machine. Rester ici, moi je vais chercher le bon sol déjà. We got to cover Jesse. Be careful. Et c'est quoi ça c'est un crime ça, il faut appeler la police les gens, c'est carrément un crime hein, faire libérer de la lave comme ça. Un petit nouveau, j'ai débloqué un trophée. Moi que j'ai débloqué un trophée? Bah oui, moi que j'ai débloqué un trophée. Where are you? Just give me an oink if you can hear me. Grain, si tu m'entends. Ah, j'ai plus le... On avait quoi? Silex? On avait quoi autre chose que silex là? Enfin, un briquet. Une épée, briquet, et on avait quoi d'autre? Je sais plus. Je sais plus, par contre, on peut marcher. Ruben? Ruben, come here, boy! Chaîne, regardez. Il n'est pas derrière, mais ça je le savais déjà. Ah. Trace de pas. Pig tracks. Hop. Bon ben voilà les gens, on va s'arrêter pour ici pour cet épisode. C'est quoi ça? C'est des boutons mais par terre ou quoi? Enfin, on s'en fout. J'espère que vous avez apprécié, que vous apprécierez la série. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Bye bye. Non, moi je peux pas zoomer. J'ai voulu... Faire un genre de zoom pour montrer vraiment la tête. Mais bon, c'est pas grave. Bref, allez, à la prochaine. Bye bye.